Abonnez-vous dès maintenant! Let's go! Maintenant, comme la date de sortie de Fortnite chapitre 3 saison 3 est censée être le 6 juin, avec cela, nous obtenons un tout nouveau pass de combat. Et comme vous le savez, avec le nouveau pass de combat, nous obtenons 7 skins différents et de nombreuses récompenses incroyables. Et bien sûr, la vidéo d'aujourd'hui, nous allons jeter un œil au nouveau pass de combat qui vient d'être confirmé par Fortnite. Eux-mêmes, assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, parce que je vais également vous montrer tous les skins secrets qui viennent d'être révélés. Le premier que nous allons jeter un œil au pass de combat est en fait super unique. Il a été dévoilé par Fortnite il y a quelques jours à peine. Nous nous sommes vus en fait l'introduction de la sorcière écarlate dans le jeu. Et cela a été ajouté au jeu à cause de la nouvelle série télé qui se passe. Si vous la connaissez bien, la sorcière écarlate appartient en fait au merveilleux univers avec Vision lui-même. Et il s'avère que la Vision va réellement arriver dans la nouvelle saison Fortnite. Ce n'est pas une surprise pour le moment. Car jusqu'à présent, nous allons en fait vu beaucoup de super-héros merveilleux entrer dans la bataille. Spider-Man, Wolverine ou même Docteur Étrange. Et maintenant, les gens sont enthousiasmés par la Vision et s'attendent certainement à une bannière personnalisée pour la Vision et la pierre infinie. Car la Vision joue évidemment un grand rôle. Et attendez-vous certainement à un spray personnalisé lié à la série télé. Une traînée personnalisée et comme vous le savez, Fortnite aime réellement prendre les tenues de la bande dessinée. Si vous jetez un coup d'œil à la peau de Kakajou, oui, elle a en effet été tirée de la bande dessinée, le livre lui-même. Ou si vous jetez un coup d'œil à la peau du Bouffon Vert, même cette peau est en fait une version de la série de bande dessinée. Alors attendez-vous à des styles personnalisés qui représenteront la série du film Marvel ou même la série de la bande dessinée. Pour la Vision, il y a un revêtement et un écran de chargement. Mais la chose qui me passionne le plus, son mode personnalisé et construire, qui va être assez génial. Ce n'est pas le seul skin qui me passionne vraiment. Parce qu'il s'avère que la saison à venir sera assez géniale. Car il y aura en fait beaucoup de super-héros et de méchants merveilleux qui feront un retour. Comme vous le savez, si vous le faites réellement, jetez un œil dans le hall. En ce moment, vous pouvez en repérer le chef d'équipe du mag. Et vous pouvez voir qu'il y aura fait beaucoup de neige à côté de lui. Eh bien, il s'avère que dans la nouvelle bande dessinée, Docteur Doom fait un retour. Mais si vous regardez de près, tandis que le chef de l'équipe Match a aussi beaucoup de neige autour de lui. Ce qui nous dit qu'il va y avoir beaucoup de références de merveilleuses et de super-héros qui arriveront dans la saison à venir. Fortnite nous a taquiné avec une nouvelle araignée et sera autour de Miles Morales. Et c'est l'un des skins les plus attendus qui restent à venir. Le prochain skin est d'Alvador, même si les sabres ont été retirés en ce moment. Bien devinez quoi, Fortnite vient d'annoncer Obi-Wan entre dans le jeu, même si la mise à jour Star Wars est finie. Il s'avère que les sabres vont faire leur retour depuis le premier événement en direct. Attendez-vous à ce que Dark Vador vienne avec ses propres récompenses, y compris une pioche. Fortnite a également révélé que Peter Griffin arrive sur le jeu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve dans un prochain vidéo ou un prochain live. Je vous dis ciao, ciao, bye, bye. Bisous, bisous. Ciao, les amis.